Well, gentlemen, I'm quite concerned. Il s'appelait Kanun Datlagi, le lion qui marche sur la crête de la montagne. Et les Américains l'avaient surnommé Ridge. Mais c'est sous le nom de Major Ridge qu'il est entré dans l'histoire. Après des années de lutte entre Indiens et Américains, quelques chefs indigènes nourrissent encore l'espoir de parvenir un jour à une cohabitation pacifique. D'autres se fient au système judiciaire américain, censé garantir leur protection. D'autres encore veulent croire aux promesses du gouvernement américain et de sa constitution. En 1830, le Major Ridge est parvenu à conclure plusieurs accords avec les États-Unis. En échange de la sécurité du peuple Cherokee et du droit de demeurer sur la terre de ses ancêtres, il s'est appliqué à adopter un mode de vie qui lui était totalement étranger. Né en 1771, il est membre d'un clan établi dans le sud des Appalaches, une région qui est au cœur de la mythologie Cherokee. Les ailes de l'oiseau sacré ont sculpté les montagnes et les vallées. Uktena, le serpent à cornes, a marqué les rochers de son empreinte. Et c'est ici que le Créateur a placé le premier homme et la première femme. Les chrétiens avaient été chassés de leur paradis terrestre, mais les Cherokees vivaient dans le leur. D'après leurs croyances, c'était là que leurs ancêtres avaient toujours vécu. Pendant toute son enfance, Ridge perçoit les menaces qui pèsent sur la nation Cherokee. Jeune guerrier, il doit repousser les tribus voisines qui convoitent leurs terres, les Shawnee, les Creek, les Choctaw et les Chickasaw. Puis c'est un nouvel ennemi qu'il faut affronter, les colons américains. Au moment de la guerre d'indépendance, les Cherokees se rallient aux Anglais, un choix qu'ils paieront très cher. Les soldats américains incendient la ville où vit le jeune homme. Une parmi la cinquantaine qu'ils détruiront sur l'ensemble du territoire Cherokee. Ils ripostent en scalpant son premier Américain à l'âge de 17 ans et s'engagent dans un combat acharné contre les États-Unis. Toute cette génération de Cherokees n'a connu que la destruction. Leur monde s'est volatilisé sous leurs yeux. En 1805, la situation des Cherokees est préoccupante. Ils ne sont plus que 12 000 et ont perdu plus de la moitié de leur territoire. Même après la signature de plusieurs traités de paix avec les États-Unis, Ridge sait que la tranquillité de son peuple n'est pas garantie. La principale source du conflit demeure. Les États-Unis veulent mettre la main sur ce qui reste du territoire Cherokee. Lui est bien décidé à le préserver. Et il est conscient que pour arriver à ses fins, il va devoir adopter une approche plus subtile. Il va lui falloir emprunter momentanément la nouvelle voie que proposent les Américains. Please accept this, Brother Ridge, as a small gift. What don't, John? It does stand on the dead dogging. The United States at the end of the American Revolution
À la fin de la guerre d'indépendance, les États-Unis ont adopté une politique de civilisation. Ils ont financé des missionnaires qui se sont rendus chez les Indiens, en particulier dans le Sud, pour leur apprendre à devenir des Anglo-Américains. En cultivant du blé plutôt que du maïs, en mangeant à des heures régulières plutôt que quand ils avaient faim, en s'habillant à l'européenne, en parlant anglais, en priant à l'église. En résumé, en menant une existence civilisée selon leurs critères. Le gouvernement des États-Unis avait promis que si les Cherokees, les Creeks, les Choctaws, les Séminoles et les Chickasaws adoptaient les manières de vivre de leurs voisins blancs, ils seraient leurs égaux sur le plan politique et social. Lors d'un de ses discours, Thomas Jefferson avait dit aux chefs indiens qu'ils pourraient devenir les égaux des Blancs. Vous vous unirez avec nous. Vous rejoindrez nos grands conseils et ne formerez qu'un peuple avec le nôtre. Nous serons tous des Américains. Vous vous mêlerez à nous par le mariage. Votre sang coulera dans nos veines et se propagera avec le nôtre à travers ce grand continent. Ah, Jona, Koste, Inge, c'est des titres là. Chez vous, chez vous. Je vois. John, Flintlock. John Ross, futur chef de la nation Cherokee, grandit dans ce monde en devenir, où colons blancs et indiens tentent de trouver un équilibre, au croisement de leurs cultures respectives. Sa mère, Molly, une Cherokee du clan de l'Oiseau, a épousé un Écossais, Daniel Ross. Celui-ci fait partie du nombre croissant de Blancs qui prennent une femme indigène, ce qui leur permet d'acheter des terres et de commercer avec les Indiens. John. Toutes sortes de Cherokees fréquentaient sa boutique. Des Indiens traditionnalistes de sang pur, mais aussi de riches familles mixtes qui commençaient à s'implanter durablement. Mixed blood families that were just beginning to establish themselves. Chez eux, les Ross parlent anglais. Et John a des précepteurs anglophones. Mais il fait aussi partie du clan de l'Oiseau par sa mère. Thank you. Il grandit entouré de gens qui vivent au rythme des traditions Cherokee. Et il est fier de son nom indigène. Kouis Koui. Mystérieux petit oiseau blanc. John. There's a story that's told. Il y a cette anecdote quand il avait environ 5 ans. Son père lui avait acheté un petit costume spécialement pour la cérémonie du maïs vert. Sa mère l'a habillé dans ce qui était des habits de blanc. White man's suit. Et les autres enfants se sont tellement moqués de lui qu'il est rentré à la maison et a demandé à remettre les vêtements de Cherokee qu'il portait tous les jours. Puis il est reparti s'amuser à la fête.
L'ensemble du territoire Cherokee est la propriété commune de toute la nation. Et chacun peut cultiver autant de terres que son travail et ses ressources financières le lui permettent. Ridge et sa femme Susanna sont des fermiers travailleurs et pleins d'ambition. De parfaits exemples d'Indiens civilisés. Au fil des ans, leur domaine ne cesse de s'agrandir. Et les agents américains reçoivent de leur part des comptes rendus enthousiastes. Celui qu'on appelle désormais Major Ridge sait ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai plaisir à dire que chaque membre de cette maisonnée possède sa maison et sa ferme. Les plus pauvres sont parfaitement contents de travailler en cuisine. Ils cousent, tissent, filent, préparent nos repas et se conduisent bien. Major Ridge fonde de grands espoirs sur un groupe de jeunes gens instruits qu'il verrait bien reconstruire une nation Cherokee puissante. Ils connaissent les subtilités des lois américaines et prennent à leur propre piège les agents fédéraux qui tentent de s'emparer de leurs terres. Parmi ces jeunes gens se trouve son propre fils. John Ridge est un garçon fragile, atteint d'une maladie qui fait qu'il a parfois du mal à marcher. Mais il a une volonté de faire. Aussi, quand le ministère de la guerre propose de prendre en charge les frais de scolarité de John et de son cousin Elias Boudinot dans une école de missionnaires du Connecticut, le major saisit l'occasion. Usti klesti, di janki osi, halla, tete sami, halde kuapi, nudle assiste. Di janki osi, tuno da goha iskaleloski. Le jeune homme passe donc son adolescence encadré par des professeurs chrétiens blancs. Il s'imprègne de la Bible et de la Constitution américaine. Et bien qu'il vive à plus de 1400 km du territoire Cherokee, il ne semble pas souffrir d'être éloigné des siens.